appelés dans le tafonto et la ruse. J'aimerais pouvoir leur dire que la ruse, certes, amuse à un moment donné, mais la ruse, ça s'use et la ruse use. Mané, tapole dey mëna la mayum réew ba mu jox lop ciir ci réew waye tapole ru réew. Quand on vous donne un pouvoir, un pays, le minimum qu'on attend de vous, c'est que vous le construisiez et non de déconstruire. Le régime tapalé, tafanto et ruse est un régime qui fait dans le refus de célébration de l'engagement souscrit de l'allégance républicaine et de la courtoisie républicaine. En tant que député socialiste, en tant que député membre de la coalition Benno Bokk-Yaakaar, tout ce que mes collègues qui m'ont précédé à cette tribune ont dit, je l'assume. Mais je veux y ajouter une chose. Si vous étiez venu faire avec nous la DPG, suivi d'un débat d'orientation budgétaire, si vous étiez venu nous proposer une LFR, vous auriez pu montrer que vous êtes dans de bonnes dispositions. Et je vous dis qu'au-delà de ma personne, peut-être que tout Benno Bokk-Yaakaar adoptera la LFR, débattra royalement avec vous de la DOP, écoutera et échangera dans le cadre de la DPG. Et même, nous adopterons votre budget. Nous l'avons prouvé avec Ablaye Wade en 2000. Vous nous demandez de vous autoriser à supprimer... à dissoudre le HCCT et le Haut Conseil, le Conseil constitutionnel environnemental. C'est de l'incohérence. Notre pays siège au niveau des Nations Unies. Aux Nations Unies, il y a le Conseil constitutionnel environnemental. Dans tous les pays du monde, y compris dans le Royaume, il y en a. Et puisque c'est de la cohérence que naissent les grandes choses, laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas compter sur moi. Et vous ne pouvez pas compter normalement sur tous les Wadis, vous ne pouvez pas compter normalement sur tout ce qui se réclame socialiste. Pour ce qui est du HCCT, ça a été recommandé par l'Union africaine en 1998. Le Sénégal l'a adopté sous le principe en 2014, consacré par référendum en 2016. Mes chers amis, ne vous compliquez pas la tâche. Loin des bravades, parce que je vous ai dit l'autre jour qu'il ne faut pas faire dans les bravades, je vous demande, je nous exhorte à savoir que vous n'êtes pas éternel. Quand on gouverne un pays, on doit essayer de savoir que partout dans le monde, il y a des institutions qui durent des siècles, qui sont plus anciennes, qui ont plus de longévité que les personnes ou les régimes. Ablaye Wade, Tasnevissena, Conseil économique, Créé-Créaès, Macky Sall, mon leader que j'ai soutenu. Mais Tasnevissena, alors... Monsieur le Président, tenez-en compte. Wilan, vous avez la parole. Abdoulaye Wilan, continuez. Je vote simplement que les Sénégalais et les Sénégalais qui nous suivent retiennent avec vous et moi que le Haut Conseil des collectivités territoriales doit demeurer. Le Conseil économique, social et environnemental doit demeurer. Je rappelle à ceux qui sont dans PASTEF et qui ont appartenu au peuple des Assises, qui ont paraffé, signé, assumé, combattu pour la mise en œuvre des conclusions des Assises et les recommandations de la CNRI, qui doivent se retrouver dans leur petit soulier ou derrière leur petit doigt. Je termine en disant que ce n'est pas utile ni efficace de casser. Il faut certes réformer. Je veux être moi un réformiste. Si vous nous aviez invités à une réforme des institutions pour les rendre plus viables, plus supportables, soutenables au point de vue de la dépense publique, vous auriez peut-être obtenu un consensus. Alors, ce n'est pas par la violence qu'on conquiert et exerce le pouvoir. Soyez plus humbles et retenez que la République est d'élégance toute faite en tous lieux et en toutes circonstances. Mes chers collègues, votez pour appuyer la décision de la Commission en rejetant ce projet de loi qui est inutile, dangereux et enfantin. Je vous remercie.